Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 janvier. Nous avons un très beau temps. Regardez. Je ne sais pas si vous verrez à travers les voiles d'ombrage. Oui, donc on a remis tout dehors puisqu'on avait tout rangé. Bon, il y a un peu de limon hein, sur le béton, mais bon, c'est normal vu la tonne de pluie qu'il y a eu. Et donc, on a remis les voiles d'ombrage, on a remis les tables et les chaises. Enfin, tout est revenu à la normale. On a nettoyé la cour arrière puisqu'elle était dans un sale état. Voilà, donc là tout est redevenu nickel. Donc voilà, la vie reprend son cours. Et là, donc il est 11h moins le quart et nous allons sortir. Allez les chiens, au parc! Nous allons aller nous balader, profiter de ce beau ciel bleu. On est resté pas mal enfermés ces derniers jours, donc histoire de se changer un peu les idées. On a nettoyé la voiture, elle est toute propre. On s'est occupé du jardin. Je me suis occupée du salon, enfin voilà, on a fait pas mal de choses. Et là, on va sortir, on va aller à l'étang salé, au Croque Park. Nous sommes prêts tous les trois. Il fait quand même très chaud, hein. Ça c'est l'inconvénient. On bouge à peine, on a beau être habillé légèrement, on a toujours chaud. Vous voyez, là, je transpire déjà et tout. C'est chiant quand même. Et let's go to the Croque Park. Et hier, nous avons nettoyé la voiture. Elle est toute propre, regardez. En fait, ce qui aurait été bien, ça aurait été de vous montrer l'état de la voiture avant. Mais j'ai pas pensé. Et là, mais c'est tout propre. Ça fait plaisir. Beau ciel bleu du dimanche. Que c'est plaisant. Et ma petite pépette qui est là. Bon, je lui ai fait une couette sur le côté. Je suis pas convaincue du résultat, mais bon, elle est mignonne malgré tout. Papa. On y va, chérie? On va où? À la mer. Non, on va pas à la mer. On va voir les crocodiles. Ah oui. Ah oui, on va voir des crocodiles. On va aller à Croque Park voir les crocodiles. Non, on peut pas aller à la mer. L'eau, elle est pas propre. En voiture. On va où? On va voir les crocodiles. Les crocodiles, oui. Tu veux que tu... Ah, t'as ramené ta poupée moine. Par contre, t'as pas ramené ta sucette, hein. Je vais peut-être aller la chercher. Je suis obligée de prendre la sucette. Les gars, si j'oublie la sucette, imaginez la journée de bip qu'on pourrait passer, que ma fille pourrait nous faire passer. Si on oublie ça, c'est mort. On le paye. Mais on le payera trop cher. Ça y est, nous sommes arrivés au restaurant. On va aller manger au restaurant avant d'aller au Croque Park. Et là, nous sommes à l'été indien, à l'étang salé. Je récupère les affaires de ma fille. Voilà. On a les crocs. Il est que midi, mais on a déjà faim. Délicieux. Tu dis bon appétit? Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Bon appétit tout le monde. C'est vrai. Attention, c'est fragile. Bonjour. Alors là, c'est l'enclos des crocodiles. Apparemment, il y en a une dizaine à l'intérieur, mais ils sont tous dans l'eau. Alors, c'est peut-être parce qu'il fait hyper chaud. Mais c'est dommage parce qu'on ne les voit pas. Je crois qu'il y en a un seul au fond qui est sorti. Je vais aller le filmer. Mais nul
quoi, parce que bah, on peut pas les voir. Bon, on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Ici, après, il y a les Lignuriens. Enfin, je vous ferai un petit tour. Il est vraiment bien, le parc. Hein. Ma petite, elle a pas payé l'entrée puisqu'elle a... elle a moins de 3 ans. Et pour nous, ça a fait 26 euros. Donc, ça va. Et apparemment, il dit que on en a pour une durée moyenne de 2 heures de visite. Ce qui est sympa et ce qui est raisonnable en termes de prix. On va dans l'eau, là. Oh, il y en a un aussi là-bas au milieu, t'as vu? Regarde. Il y en a un autre. Regarde, là, il y a du poule encore, viens voir. Et regarde les pans. C'est beau les pans? Aïe quoi? Allez, je sens que c'est pour pas longtemps. Allez, tout doucement. Doucement, quoi pas. Allez, on s'applique, on s'applique. Oh là 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 là. Ouais. Peut-être là-bas, regarde, là-bas. C'est grand. Oui. Viens, va voir. Oh là, elle est là. Elle est là, elle est tout bas. C'est vraiment et... moche, hein. Elle est là, c'est tout bas. Elle est là, c'est tout bas. Re-coucou tout le monde. Nous sommes en fin d'après-midi. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Et en fait, au parc, au Croque Park, on n'est pas resté longtemps. Il faisait trop chaud. Et d'ailleurs, là, j'ai cramé. J'ai bien bronzé une fois de plus. Genre, j'en avais besoin. Et en fait, on est allé chez ma mère et on a profité de la piscine toute l'après-midi. Donc là, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés et tout, je sors de l'eau. Tout va bien. Ça va. Ça va. Je crois que je vous ai déjà montré pire en termes de faciès. Je ne sais pas ce qu'on va faire, si on va rester ici, manger, prendre la route après. Il y a ma petite qui est avec ma mère, elle est en train de jouer à... au Lego, là, vous savez, la maison de Mini ou la boutique de Mini en Lego, dans le salon à côté. Il y a les hommes qui sont dans la piscine. Moi, je suis sortie parce que j'en pouvais plus, quoi. J'ai quasiment fait 2 heures de piscine à un moment donné. Ça va, quoi. Regardez, j'ai les doigts tout fripés. Quand j'étais petite, j'adorais avoir les doigts comme ça. Truc de fou, comment je suis noire. Quoi? Tu es noir? Toi, tu es noir? Oui, je suis noir. Le temps est pas très beau. En fait, on est arrivé chez ma mère. Il a commencé à faire gris. Il a pas plu. Mais du coup, c'était agréable dans l'eau. Puisqu'il n'y avait pas beaucoup de soleil. Et le pire, c'est que malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, regardez, j'ai cramé. Regardez. Et je parle encore du nez, hein, ça s'entend. Faut que j'aille nettoyer mes lunettes, elles sont dégueulasses. C'est pour ça que je les ai enlevées. Elles sont sales. Ma fille, elle a mis ses petits doigts dessus. Bah, bref. Et après, demain, boulot. Boulot, 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 boulot. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je vais être en vacances. J'ai plus envie de bosser. J'ai envie de gagner à l'euro-million. Et prendre une année sabbatique. Et ensuite, et peut-être ensuite, penser... à faire quelque chose de mes 10 doigts. Mais là, depuis ce début d'année, j'ai pas envie de pousser. Moi, j'ai envie de plage, de piscine, de farniente, de sport. Voilà.
Mais j'ai pas envie de travailler. Bon. Ça devrait aller là, non? Ça va. Ça va. Ouais. Le bruit que vous entendez là, c'est les mecs qui sont dans le jacuzzi. Et ça fait beaucoup de bruit du coup, parce que les bulles et tout. Pas très discret votre jacuzzi là, les gars. Un peu bruyant. Il n'y a plus de respect. Coucou les gens, il est 21h. Je vais clôturer rapidement ce vlog. Je suis déjà couchée. J'ai complètement oublié ma caméra en fin de soirée. On a mangé chez ma mère très tôt. On a mangé vers 18h30. Et à 19h15, on a repris la route et on est arrivé à la maison vers 20h. Donc, ma petite, elle s'est endormie dans la voiture. Arrivée à la maison, elle s'est réveillée et là, elle n'a plus sommeil. C'est génial. Donc, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'essaierai de vous faire un petit topo et de vous expliquer ce qui est intéressant de faire à Croque Park et comment il faut s'organiser, parce que nous on y est allé comme ça un peu à la One Again, mais en fait on se sera organisé, ça aurait été un petit peu plus sympa. Alors j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tu dis ciao? À bientôt.